Comment va? Je vais vous le mettre, regardez, hop. Toc, et là on est parti pour une grande aventure. Je vous demanderai juste de passer un petit coup de... Oui, oui, vous avez raison. Hop. Kimono, ceinture noire. Oui. Ah oui, c'est bien. Ouais. Faut que je me tienne à carreau et que la coupe soit bien faite. Le salon fonctionne bien, à part quelques petits soucis qu'on cumule, des inondations, des cambriolages, et maintenant on subit le Covid. Donc on remonte les manches et on essaye de se battre pour accueillir nos clients au mieux possible. On est obligé de décaler les rendez-vous, c'est-à-dire que les prendre toutes les demi-heures. Donc forcément, avant nous on travaillait sans rendez-vous, donc on arrivait à enchaîner assez facilement les... Que là, avec les rendez-vous, on est obligé de nettoyer, désinfecter avant et après chaque client. Ah, c'était la crise capillaire, mais on a dû faire avec, donc j'ai pas osé y toucher moi-même. Depuis le déconfinement, effectivement, on a récupéré de grosses, grosses racines des gens. Ça va dans l'ensemble, ils sont restés raisonnables et ils ne vont pas du tout toucher leur couleur. Vous savez, chacun son métier, comme je dis. Hein. Donc, ce sont des professionnels, des artistes, donc... Là, moi, je ne suis pas douée du tout. Hein. Quand on a l'habitude de venir régulièrement en plus, bon, il y a des gens qui savent faire chez eux, moi pas. C'est sûr que ça va faire beaucoup de bien aux cheveux. C'est bon pour le moral, mais pour les cheveux aussi. Mes mains sont magiques en massage. C'est exceptionnel. Ça, faut le noter. C'est quelque chose que je ne passerai pas partout. Mais je me fais des compliments. Parce que si vous voyez, pendant le confinement, je me faisais des compliments, mais ça marchait pas.